Là, l'autre, il est tanké, là. Mais lui, il fait du bodybuildisme. Moi, je suis un peu partout. Je pousse fort, je cours, je saute, je rampe. The way it is, the way it is. It's no mystery. There's no getting around it. When you're here, when you're here, we got chemistry. We light up when we ignite. We are stars in a darkened sky. When you leave, don't forget to remember. Don't forget to De temps, ça fait combien de temps que j'en chie sur celle-ci là? Ça y est, ça y est, c'est rond là, tu vois, c'est un chiffre rond, c'est pas dégueu, genre 240 cul par terre. Moi je vois des étoiles, la vision nid d'abeille là, elle est là vraiment. Mais j'ai pas eu de stop, t'as vu, j'ai pas eu de grind. Et en fait, tu vois, j'ai subi, franchement, quand je l'ai sorti du rack, j'ai fait, ouais, je vais encore prendre un échec, je le sens. Même si j'ai dit tout et tout, je la descends, je la contrôle, et en bas, j'ai fait, vas-y, oublie toute notion de sécurité, et t'envoies toute ta vitesse que tu peux. En fait, là, c'est la baston, il n'y a plus de, oui, les coudes, les machins, oui, ça, c'était avant. Sur la montée, vitesse, bah, vraiment. Ouais, j'ai une rep, je suis essoufflé, genre, c'est un truc de ouf, ça. Les cannes d'un squatter. Le coffre d'un coach sportif. Il n'y a plus de place. Qu'est-ce qu'on fait? On rejoint l'équipe? L'équipe arrive là, donc je pense qu'ils vont se garer là vite fait et puis on décolle. Parfait. C'est la team Broadway, c'est ça? C'est ça. Alexis, son cadreur, Louvard, sa cadreuse. Et puis après on va bouffer. Et aujourd'hui, grosse séance hein, normalement. J'aimerais bien. En tout cas, je suis très chaud depuis. Tu sais que j'ai pas réussi à m'endormir. Vraiment, après cette barre, j'étais comme ça. J'arrivais pas. Bah, ça réveille, m'a transcendé. Ça réveille tous les morts. C'est vrai. En fait, j'ai éteint tout un arbre généalogique. Et en fait, j'étais vraiment. En fait, ça fait tellement des mois que je me dis, waouh, 240, c'est rond, c'est joli, c'est tout ça. Que quand tu réussis, le soir, t'es chez toi, t'es là. T'es sous adrénaline et tout, En fait, c'est souvent que les gens, ils voient la barre et puis ils se disent que ça se fait du jour au lendemain, tu vois. Tu réalises pas vraiment le temps que ça prend pour exactement. Arriver là, genre. Alors qu'en fait, c'est des méthodes, c'est des arrachages de cul, vraiment, sur des séances, Et bah voilà, le travail paie. Bien ou quoi? Ça va ou quoi? Bonsoir. Ça va, bonsoir, ça va? Mais filme pas, je suis pas attaché. Ah, il fait pas beau dans ton pays. Faut pas. Ah ouais, faut aller boucher là. Il faut aller chercher à bouffer ou pas? Ouais, boucher. C'est où chez toi là? Parce que là, on c'est où chez nous? Bah, c'est plus loin. Mais t'es où chez toi? Chez lui là. Moi, chez moi, c'est là. Ah, c'est tout ça? Non, c'est ouais. L'immeuble là. Bah, c'est toi chez là? Ouais. Chez moi, c'est ailleurs. Parce que là, chez lui, c'est chez lui. Ah, c'est la cité là. Et la cité. Ah. Donc là, vous. Regarde, c'est fouté comment elle est magnifique là. Non mais toi tu peux pas, frère. Il y a un dracard dessus. Non mais tu peux pas. Il y a un dracard dessus. Après elle est à 600 balles. Théma, elle est pas trop stylée l'étiquette. Mais j'ai envie de la prendre en main juste pour avoir peur. Et le on a une miniature. OMG il boit. Oh, c'est bio avec un sourire. Ah. Mais par contre, tu vois que genre celle-là elle est à 200 balles, celle-là elle est à 600. Elle est trop c'est un plus cher. C'est un Saint-Julien, mec. €8 la pastèque.
m'a dit 8 balles la pasta. Non, abuse pas. C'est 4€. N'importe quoi, j'ai payé 4€. Mais toi, t'es pas fan de petites mangues, normalement. C'était au kilo, je pense, t'as vu. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'étais en train de montrer que ta plaque, elle est pas polonaise, c'est ça? Elle est bretonne, tu vois. 56. Là, on est chez l'ennemi, là. Putain de Normand de merde. Le cidre, il est breton, les gars. Bah sinon, tu rentres chez toi et puis... Et quoi? Le Mont-Saint-Michel, il est quoi? Ça va, je vous le donne. C'est Jeanne d'Arc. Hey, on va voir où elle s'est fait brûler, là. Ouais, on va pour ta culture. On va aller tu sais ce qu'elle disait, Jeanne d'Arc? Vous ne m'aurez pas cru, mais cuite. Ah, nickel, allez, parfait. Par rapport à la côte de bœuf. Vous me n'aurez pas cru. Qu'est-ce qu'il me parle pas français? Il fait quoi, lui? Il aime pas breton, c'est un français, le mec. Vous ne m'aurez pas cru. Les gars, je veux français, là. François Giche. Vous ne m'aurez pas cuit. Aïe. Je cogné. Ouais, bah allez. Tu touches? Je m'ai cogné, peut-être. Ouais, je touche, hein. Bon, alors, vas-y, let's go. Oh, ouais. Allons-y, le four est là. Bon, le cuistot, vas-y. C'est à toi de jouer. Tu me montres. T'as ton beurre, ton ail. Mon ail. Prends ton beurre. Ah, mais t'as fait la promo déjà, ouais. Il est breton, en fait, il est breton. Tu fais la promo? Oubliez pas sur Broadway, code Lovard 10. Important. Lovard 10. C'est quoi ça? Un fit 10. La marque derrière, une fit 10. C'est une salle de sport. Non, c'est un mec qui vend plus que toi. Ah bon? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Par contre, c'est quoi ça? C'est des pots de peinture. Ouais. Alors, il est plein sa mère. Hein. Regarde, il est rouge. Ouais, ouais. Ouais, Alexis, attends, t'as vu? Attends, t'as vu les fakes? T'as vu les collègues? C'est la créa. On se cache. Tout ce qui est dopant, je cache. Cache les samples. Ouais, il y a pas un mais deux pots remplis. Ah ouais. Ça m'est stoppé la dotation, Alexis. Ah oui, t'avais déjà fait ce tuto-là, je me rappelle maintenant. Eh oui. Yes. En fait, c'est pour faire le petit support du bouchon. Hop. Et donc maintenant... On a tout fait à la poêle, hein. Wow. Ah! Ouais, comme il est content! Oui! Oh, le gars! C'est tu sais! Mais comme précieux, ce bal, il sait tout faire! Il sait tout faire! Et là où on n'attend pas! Ah! C'est toujours! Oh! Est-ce que tu nous fais une petite entrée ou un petit dessert? Les deux! C'est juste de l'eau avec un arabe de fruits, pas pasté! Que ça passe! Ouais, c'est vrai que les macros de la pastèque, c'est top comme ouais, truc. En plus, il y a de la spruline dedans. C'est de l'eau. Et parfait. Voilà, c'est de l'eau. C'est des macros. Ouais. Attends, j'ai goûté. C'est bien ou pas? Elle est bien? Ouais. Ah, bien. C'est de l'eau minérale, quoi. Avec un arrière. Elle n'a pas de calcaire. Pas gazeux. En fait, c'est du concombre sucré. Voilà, si vous avez jamais goûté de pastèque, c'est ça. Oh, c'était tellement bien. Je pense, ouais, les abonnés, ils n'ont jamais eu l'occasion de goûter une pastèque. Ouais, il y a moyen, c'est rare. Hein. C'est rare. Dinguerie. Mmh. Bah, c'est bon. Tout à l'heure, on parlait tu sais, du ratio. Enfin, les mecs en force, ils avaient besoin de prendre un peu de muscle. Oui. Ouais. Du coup, est-ce que le bodybuilding est intéressant pour les powerlifters? Non. Non. Suivant. Bodybuilding. Pourquoi non? Moi, je dis oui direct. Le bodybuilding. Qu'est-ce le tu fait veux de prendre un peu de masse est intéressant pour les powerlifters. Ah oui, c'est pas ça. Okay, oui, bah, je pense que tu disais être bodybuilder. Non. Ça existe déjà parce qu'ils font des exercices de renfort, machin. Ouais, bien. Voilà. Ils ont besoin de alors, faire un peu de curl, tu vois, pour. Il n'y en a pas beaucoup qui font du renfort. Hein. Eh, c'est fou, hein. Franchement, c'est quoi le pavé? C'est la tarte à 2940 euros. Il y a des calories. Mais calories, exactement. Moi, mais pas, les gars. Mais pourquoi j'ai du radis là sur mon truc? T'en veux pas? J'en ai pas. Elle a l'air bonne ta tarte. Pourquoi je n'ai rien? J'avoue, ça va. Toi aussi, t'as rien, toi? Non, mais prenez son affaire. Là, il nous a posé des questions pendant une heure. Il nous a gâché le repas, mais bon, c'est pas grave. On aime bien, donc bon, il est là. Il a payé. Ouais, il sait pas manger, il en a foutu. Comment il s'arrache? Tu vois, donc, si vous voulez voir ces échanges de merde. Allez, c'est sur quel c'est qui a filmé ça, genre? Alexis Valo. Sur YouTube. Alexis Valo sur YouTube. Tu relances ta chaîne? Voulez-vous jouer au
ça alors de Rouen, frère? Pour Rouen, c'est plat. J'ai vraiment l'impression que c'est plat, hormis cette, cette colline. Ouais. Après, on n'a pas visité encore le centre, hein, mais... C'est plat. C'est plat aussi? C'est plat. Ok. Il n'y a aucune, vraiment aucune montée. Ouais, bah, tant mieux. C'est nickel. Mais après, niveau, niveau truc à faire, je sais pas. Bon, après, on est arrivé tout à l'heure. On n'a pas encore regardé ce qu'il y avait au centre-ville, tu vois. Là, vous êtes à... Attends, t'étais à Paris hier, c'est ça? Eh ouais. Bah, j'ai mon adresse. Vas-y. Il est con, ce mec. Hein. C'est la chute, t'es. Il est con, lui. Il est con. T'as vu, là, comment il était con? Alors, sauvage, hein, c'est sûr. Avenir, donc je ferai les disques demain après le foot. Voilà, ça sera échauffé en plus. Ouais. Ou au pire, comme tu fais du foot, tu fais pas les jambes. Ah bah je skip. Allez, on skip ischio, voilà. Voilà, nickel. Voilà. Tu fais pec, c'est bon. Vas-y. Tu fais que pec. Parfait. Donc allez, là, c'est séance pec. Bah, moi, enfin. On va faire, ouais, on va faire ça, allez. Hein. Pour changer, jamais 203. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on se croise. Ça fait pas beaucoup de fois qu'on fait les pecs ensemble. Non, mais comme ça, on peut se voir évoluer. Oui, bah. Mais tu sais que j'ai pas bench depuis la dernière fois. Hein. Mais c'est sûr que tu gardes, c'est sûr que tu gardes tes pertes. Moi, ok, alors non, ça tu vois, alors ça, alors attends, la dernière fois il s'est séché déjà. Ça tu vois ça? On a entendu? Bah c'est vrai, voilà. Bah, vous allez voir que bah vous allez voir que c'est totalement vrai. T'es à 170. 160. 160, je suis sûr que... Non mais t'inquiète. Là il va être à 150. C'est 150 là. Ouais je dirais. Ce serait bien 150. Question, t'as déjà testé autre chose que de la Monster? Genre là il y a de la 3D. J'ai jamais goûté ça. C'est genre de la traîne quoi. Tu genre... vois qui en fait ou pas? Je te montrerai. Ah ouais? C'est un mec carré, il fait des vraies vidéos. C'est vrai? Ouais. Ah vas-y. Par contre C4 j'ai déjà goûté. C'est pas mal, j'aime bien. Après là, j'ai rien goûté d'autre. Non, de toute façon on a les meilleurs là. Voilà. Je m'en vais pour chercher mes écouteurs parce que, à ma grande surprise, je les ai oubliés. Bon, je me dis comment faire quand je vais être sous 160 x 3. Bon, je retourne chercher mes écouteurs. Et qu'est-ce qui m'arrive? Je casse mon cadenas. Ah! J'ai réussi à casser mon cadenas. C'est trop de puissance. Ouais, le mec, il est trop balèze. Attends, mais par contre, si tu veux, j'ai mon casque, moi. T'es un dingo, mec. J'ai fusillé mon cadenas. Vraiment, j'ai cassé, je l'ai séparé en deux. Il a dit allumer les caméras. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il nous a pas ramené la police. Voilà, donc j'ai cassé du métal aujourd'hui. C'est juste ça. Bah, maintenant, on va plier des barres. Allez, c'est maintenant. Allez. Bon, en fait, on est métallurgiste. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais. On est des métalleux. On voit de la Monster, mon gars. Là, c'est. Bench, déjà, premier exo, comme d'habitude. Bon, voilà, on veut faire les pecs pour les articulaires, donc là, on va se faire. 3 séries, je pense, de Giant Set. À partir de 160 kg pour moi. Après, je sais pas, les gars, ce qu'ils vont faire. Une charge assez lourde qui te permet de faire 2 à 3 reps. Et puis après, en redescendant, bah, tu essaies d'aller chercher des chèques. Tu fais avec sur nous chaque palier. Tu fais avec nous. Je pense que je ferai pas autant de séries. Parce que moi, après, comme ce que je disais, c'est que je vais faire surtout focus haut de pec à la Smith ou sur une machine. Parce que j'ai vu qu'il y avait 2-3 machines qui étaient stylées, tu vois. Mais je vais faire quelques séries. Déjà, reprendre un peu les sensations, tu vois, ça va me faire kiffer, je pense. Parce que ça fait depuis la dernière fois qu'on s'est vu que j'avais pas fait de bench à la barre. C'est fou. Donc ouais, c'est pour ça. Donc on va faire ça comme ça. C'est la bonne occasion de refaire. Et ouais. Donc là on va monter tranquille et puis déjà je vais voir niveau sensation si je me sens bien, tu vois. Et puis après on verra. Tu vois. C'est bien mon gars. Ah il embraye. Moi je me rappelle la dernière fois que t'en avais vu, t'avais pareil, t'as réussi 170 en fait. Eh non j'avais raté. Ah 140.
fait une grosse dégressive. C'est un sauvage, votre pote. Ça, encore, je veux bien, tu vois. Mais au bout d'une heure de bench, frère, ça fait 6 minutes. 6 minutes. À la salle, vas-y. Allez. C'est un guet-apens là. Un guet-apens. Je te jure, c'est, ça c'est un route ça. Facile. Les deux premières à la 160. Choqué là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Moi je suis venu m'entraîner, je suis pas venu. C'est bizarre, je suis pas venu mourir. Il transpire, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre, il y a des trucs qui vont pas là. Il y a des trucs qui vont pas du tout. Ah, nous on est des body, on est lent. Lui il est rapide, je comprends pas. On va monter. Je vais mettre 140 après. Vas-y. Quoi? Ouais, j'en suis à ma deuxième série. Et je fais des giant sets. Je commence à 160 pour 2 reps. Voilà, je commence à être bien tapé là. Je vais me battre, je vais essayer de la faire aussi celle-ci. C'est ma deuxième série, donc 160 2 reps. Ensuite je mets 140, j'en envoie 4 à 5. Après je mets 100 et je monte encore, tu vois, j'arrive à 8-10. Après je mets 60, j'essaie de faire 12-15. Et après je me jette au sol et je finis max en pompe. À l'échec. C'est parfait. C'est franchement, tu fais déjà 2 ou 3 séries, t'es mort. Ouais. Et après, bah, j'ai tout le sang là-haut, j'ai plus qu'à aller taper le reste. Mais là, en fait, je commence en myofibrillaire et j'arrive en sarcoplasmique au fur et à mesure de la série. Et nerveusement, physiquement, structurellement, c'est très éprouvant. Mais c'est ce qui me plaît. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Juste pouce. Giant 7. Pêche. Prix. Baptiste Marché. Oui, il est diplômé de l'État, quoi. Le gars, il a un BP Jeffs. C'est normalement avant d'être à 150, je suis une heure de bench dans les pattes. Encore. Hop. Ah merde, c'était pas mort. C'est là où il se jette par terre. Pas encore, ça va arriver. Un des coachs les plus motivants avec Essan en France. Clairement. Levé. Allez suivre ses coachings parce que il va vous rendre énorme. Broadway aussi. Broadway. Collagène. Toujours. Utilisez le code LEVE10. LEVE10, c'est ça le code? Ouais. Il y en a d'autres. LEVE10 les gars, LEVE10. Il mérite. Donc là 140, t'imagines le temps que ça fait. Retirer. Ouais. T'inquiète pour la déraquer, c'est bon. Allez. Bien sûr que ça passe. Ah.
Allez, boum. Allez. Facile, allez. Bien sûr, c'est à l'aise. Allez, allez. Tout seul. Bien. T'as bourriné. Wow. T'as bourriné. T'as pas suivi, je comprends pas, c'est quoi l'exemple? Moi, je voulais faire de l'incliné à la Smith. Ok. Sauf qu'en fait, c'est pas une Smith, c'est un cadre guidé. Et en gros, si tu veux, t'as de quoi rattacher la barre, mais la barre, elle est libre. En fait, ouais, le cadre, complètement, est... ouais. Ce qui fait que si tu vas chercher la barre derrière, genre pour la déraquer, tu vois, t'es obligé de partir de là si tu veux l'avoir en face des pecs. C'est pas juste déraquer comme ça, comme ouais, une Smith, tu vois. Ouais. Là, c'est bon, fallait juste. Donc, du coup, on a mis le setup avec les protections, les sécurités et tout, tu vois. Et maintenant, faut plus toucher. Faut juste pousser. Mais de c'est très bien. Tu vois, c'est bien de mélanger les connaissances et de s'entraîner avec des passionnés. Jamais je l'aurais mise comme ça, celle-ci. Jamais, tu vois, je fais toujours la barre libre. Mais c'est un exo que tu peux mettre comme ça en guidé. De toute façon, on s'en fout, là, le libre, c'était juste avant. Donc là, c'est vachement intéressant parce que du coup, tu peux vraiment te concentrer en haut du mouvement avec, sur la contraction. Rapproche tes avant-bras. Et on peut faire cette fameuse méthode de 7-7-7 avec 7 secondes entre chaque le blocage. Par exemple, entre autres, il y a plein de méthodes, hein, du cluster, des trucs comme ça. Franchement, je vais faire ça. Je vais faire 10 reps, 10 secondes en haut, 5 reps, 10 secondes en haut, 5 reps. Cluster, c'est une forme de cluster. Il est là. Comment ça va? Regarde qui est là, Armand. Je l'ai vu tout à l'heure quand je suis allé chier. J'ai vu à l'entrée. C'est l'accueil, en fait. Il va faire caca, moi je dis bonjour et bienvenue. Hein? C'est carré en vrai, hein? Bah, c'est carré. Tu moi, j'ai du mal à m'entraîner, j'essaye de faire les deux. Ouais. Tu vas bien? Ça va et toi? J'ai entendu que ce soir. De quoi? Hein? Ce soir, ça sort? Ah, j'ai entendu, ouais. Ouais. On s'entraîne. Et on va boire une petite bière. J'aime bien la. On s'entraîne et après. Petite bière. On a pris la conversation en plein vol. Tu disais que t'étais gymnaste, c'est ça? C'est exactement ça. Fort mais barre à vide en fait. En fait, il fait barre à vide. On dit souvent ouais, coach Lovard, trop de puissance, je sais pas quoi, blabla, et en fait barre à vide. Non, on dit coach Lovard, intensité. Ah oui, intensité. Peu importe le poids, tu peux bien t'entraîner gros. Comment il a rebondi sur le... Je te jure. Peu importe le poids. Il y a de l'intensité, c'est ça le plus important. C'est pas en t'arrêtant 6 minutes, ça va. On va faire un 4x5 je crois, 5 reps, pause 5 secondes, 5 reps, 5 secondes, 5 reps, 5 secondes, 5 reps. Sur le chest press. C'est que du press là. Et après je pense qu'on fera une forme d'écarté sur une machine ou sur des câbles. C'est une séance où c'était lourd au début et ouais, c'est du power building en fait. Donc vas-y, j'enchaîne la première. Sur des pecs normalement ouais au début ça va et sur le troisième set c'est une horreur. Et c'est magnifique, il en reste un dernier. Les deux premières elles sont easy généralement ouais. Et quand tu t'arrives ouais, à la en fait, deuxième moitié là. J'ai rajouté un crumping entre chaque. C'était pas nécessaire. Ouais c'est ça. Les gars, c'est le training de sébum. C'est clair. C'est dans combien de temps en fait la compète? C'est en décembre. Putain, il y a du temps en fait. Ouais, il y a du temps. C'est pour mais ça c'est que. Parfait, c'est... En fait, c'est pour ça que. Tu sais, j'étais en sèche. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a arrêté, entre guillemets. Pour ne pas être trop sec cet été, ça sert à rien en fait, tu vois. Si j'arrive écorché cet été et que je perds un petit peu de muscle aussi, tu vois, parce que le déficit calorique, ça. Forcément, ça fait des pertes, tu vois. Ça sert à rien, étant donné qu'après, j'aurais dû reprendre pour décembre. Autant se maintenir relativement sec jusqu'à la fin de l'été et après aller chercher une vraie sèche pour décembre, tu vois. Donc on le fait dans ce sens-là, puisque la compète c'est en décembre, donc... Ouais, c'est parfait. Le timing, c'est mieux comme ça en vrai. Et puis tant mieux, comme ça je mange un peu plus et je suis relativement sec encore. Je suis juste à l'entre-deux, tu vois. Ni prise de masse, ni sèche, genre propre, tu vois. Faire un peu de masse, mais en restant le plus sec possible, tu vois. Donc c'est bien, je suis bien là. Ah, je suis bien là.
faire pareil que toi. À savoir deux plein pot et deux un petit peu moins. Sinon, ça va. Top entre hier et aujourd'hui, vivement demain. Parce que là, je suis très chaud en ce moment. Je me sens bien nerveusement, j'ai du jus. Plus de blessures, plus rien. Voilà, tout est réparé, la cheville, le poignet, ça va mieux. Là, ça y est, là, on refait des barres, on refait des wods et tout. Tout comme j'aime. Donc là, aujourd'hui, c'était une bonne séance. J'ai tout envoyé sur le bench là en premier exo. Après, on a pumpé fort. Maintenant, voilà, on redescend gentiment, petite soirée samedi soir, et puis demain on remet une séance, et puis c'est un week-end parfait ça. Toi nous, merci d'être venu mon chef, ça me fait trop plaisir. Merci à toi pour l'accueil. Rouen c'est le feu, on repassera, et puis on va faire ça sur plusieurs jours la prochaine fois. Ça sera beaucoup plus sympa. Ouais, on se fait une bouffe et tout, des tapas et tout, tu vois. Quand tu veux, passer. Vas-y, je suis chaud. En tout cas, c'était grave cool, comme d'hab. Voilà. J'espère que vous avez kiffé, les gars, la motive et tout. Nous, la vidéo, elle est pas finie. Ouais, j'imagine. Et surtout qu'elle a commencé avant avec un PR squat et tout. Donc, grosse vidéo, quand même. T'es bien sûr. Tout se sait, tout se sait. J'ai entendu la barre vibrer jusque à Bordeaux, gros. Mais ouais. On refait ça vite. Let's go. Let's go. Il y a moins qu'il y a plusieurs personnes qui sont en face. Un petit peu de déplacement. Je pense que. Linda. Honneur ou même Fitness Sport. Ouais, voilà, bah à Paris c'est. C'est propre. Chaussures. Resto. Et dodo. Voilà, les deux derniers jours, c'était fou. Bah ça part en Air Force, hein. Écoute. On a mangé là, mais... Tout ouvrant. C'est quoi pour vous, entrée plat dessert? Il n'y a plus la formule. Mais ça sera quand même entrée plat dessert. Mais ça sera quand même. Voilà, boisson. Tu vas manger des pâtes ce mois-ci, Marie? J'ai pas envie de goûter les pâtes à la truffe. Ah oui. Pâtes à la truffe. À la truffe. C'est à pour être truffe. Entre les deux. C'est-à-dire pour être humble, mais avec une touche de. Tu vois, c'est des pâtes, mais à la truffe. Une touche de luxe. Oui, voilà, c'est la sauce de c'est luxe. C'est comme la sauce. Rétro. Parfait, let's go. Direction nourriture. C'est un, ouais, alors, à chaque fois, c'est thaïlandais, mexicain, et ce soir, c'est italien. Italien. On n'a jamais, c'est rare. Mais c'est samedi soir, et là, on prend le temps de bien faire les choses, c'est-à-dire, on s'assoit, quoi. Sinon, autant prendre un shaker, comme on dit. Là, on s'assoit, et on mange, sérieusement. Quel artiste. T'es un artiste. C'est vraiment italien. C'est très italien. Regarde ça, il y a des morceaux de steak dans la pizza carrément. Même pas en rêve. Donc ça fait une bonne journée quoi. Je vais directement comme. C'est fermé. T'as pris quoi le. Ah oui, comme le lait. Ouais. Bah. Et les femmes, elles ont pris. Tu prends l'exemple. Pasta. À la truffe. À la truffe. Légère, onctueuse. Petite glace, le lait.
tu vois, j'aurais pu finir sur une grosse profiterole de bourrin, genre. Et vraiment être un sac. Rouler chez moi. T'as choisi de... Et j'ai choisi la fraîcheur. La légèreté. Pour me sentir voler demain. Courir... Demain, je fais un wood. Demain, je veux vomir. Je veux rendre tout ce que j'ai mangé. Ah, demain, c'est... Ça y est. Je l'ai déjà en tête. On avait prévu une séance. Improvisation. Pour le moment, c'est la glace. Demain, c'est demain. Demain est un autre jour. Demain, c'est peut-être trop tard. Alors, c'est pour ça qu'il faut profiter de l'instant présent. Moi, je mange la glace. C'est que des punchlines. Moi, je mange la glace. Oh là là, je suis bon cas ça. Là, je suis bon cas poussé là. Non, j'ai fait la comptabilité ce matin. T'es dans le négatif, toi. Hein? T'as besoin un peu. Tu veux que je te fasse un virement? Moi aussi, là, la fin de mois, elle va être dure, là. On est le 2. Je vais manger des pâtes, moi, je pense. Là, c'est déjà la sauce, là. Actuellement, tu vois, je suis stressé. Viens, le chef, avant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça fait une série, peut-être 20 ans. Avant, on a fait une méthode 21, 3 séries. 7-7-7 en dégressif. Par exemple, 30 kg, 20 kg, 10 kg. 3 séries comme ça. Et là, juste derrière, c'est pareil. On va faire 3 séries aussi. Comme ça, on va faire plusieurs exos. Et on va faire tous les axes. Et là, c'est 8, 10, 12, 18. Donc 8 reps avec les 20 devant. Après, j'ai fait 10 avec les 16 au niveau des hanches. Et ensuite, 12 derrière. Toujours dans l'objectif de jeter deux objets sur les côtés. C'est les coudes et les petits doigts qui montent, surtout. Sans trop engager les trapèzes. Et après, je redescends. Je retape 10 avec les 16 sur les hanches. Et re 8 devant avec les 20. Et ça, c'est une série. On en fait 3 comme ça. Jette. C'est aussi simple que ça. Tu prends 3 cm de tour de taille en haut juste avec une série. Je prends 14 que les 16, je sais pas. Si, bien sûr. En fait, tu les fais. Moi, je les compte. À la fin, c'est tellement dur, je les compte 2 par 2. Je fais 1, 2, je respire. 1, 2, mais ça va passer. C'est step by step. Ça y va, c'est sûr. Hey.
chips. D'épaule pour finir. Si l'intensité était suffisante sur les deux premiers, ce sera largement suffisant là, le finisher ici. Donc c'est un rowing vers le front et la prise est neutre, donc c'est très intéressant sur un 15 rep. C'est de l'arrière d'épaule, donc ça sert à rien de mettre trop lourd. On pourrait hein, mais là c'est pas le but, on est déjà rincé. Donc front, 15 rep et puis juste derrière, après je m'assois, tu vois, comme ça, et puis j'envoie max de rep. Petite élévation pareil, c'est un petit bicep, donc j'enchaîne les 200 temps de repos et puis après bah on monte et on sèche les abdos un petit coup, un petit peu de cardio. Bien. Demi-heure d'escalier après, comme ça on oscille entre prise de force, beaucoup de calories et séance volume, hypertrophie et décrassage. C'est un entraînement, au final c'est un entraînement en dents de scie que j'ai un peu, avec des cardio très très haut en intensité et des cardio moyens comme ça, tranquille, aérobie, et du coup juste pour consommer comme ça un peu plus, augmenter la dépense journalière. Largement suffisant pour aujourd'hui. Bah, j'ai démarré avec du militaire à 50, ça m'a bien terrassé comme il fallait. Donc là, bah, c'est good pour ce petit dimanche. Je sais pas ce qu'on va faire ce soir. Voilà, petite douche. Tu vois, le bonheur, c'est une douche après un cardio. Vraiment. Tes douches froides, incroyable. C'est encore un autre effet. Vraiment, douche c'est bien, mais douche vraiment, froide, c'est encore plus. T'as sué, t'as éliminé des toxines, t'as chauffé, hop, tu te refroidis juste derrière comme ça là. Pff, et après, comment t'es bien. Amélioration du système endorphinique. Et donc, bah t'es posé quoi. Là, il pourrait y avoir un bouchon dehors ou quoi, je m'en fous. Je dors dans ma voiture. Et là, tu te mets ça après tout droit dans la soute. Ça, c'est le cocktail de la puissance. Et voilà, c'est petite whey créatine et lait d'amande, vanille ou nature. Et là, c'est parfait. Pour patienter en attendant le repas du soir. Bien sûr. Parce que, bien sûr, il est quelle heure? Il est 17h, un truc comme ça. Donc. Mais aussi. J'ai le goûter. Moins 10%. Et donc. Du coup, ouais, moi je préfère, comme je dis à chaque fois, la chocolat sur Broadway. Ils en ont que deux, chocolat, vanille. De toute façon, il y a 6 références. Tu mets ton lait d'amande, 300 ml. Tu mets 3 bonnes cuillères à soupe là, de whey là-dedans. Et pour les gourmands, 4 grammes de créatine. Ouais, 3 grammes, 3, 4, 5 grammes. Moi, j'en mets 4 là, j'en mets 3 avant de dormir. Et après, on envoie du squat à 240 kg. Sujet sorti de nulle part mais intéressant qui vient de me passer par la tête. En fait, c'est super bien de faire équipe avec des monstres. Genre, tu sais, pas avoir de bite quoi autour de soi. Il faut comment dire, quand tu es entouré des meilleurs, ça te tire vers le haut. Et à nous ensuite d'apporter
notre touche pour tirer vers le haut ces monstres-là sur ce que l'on sait faire de mieux. Parce que c'est ça l'intéressant dans une vie, le plus important, c'est de prendre un domaine, le poncer, le torcher et devenir le meilleur dedans. Pour éviter d'être partout et nulle part, comme on dit. Donc, apporter du coup aux autres tes connaissances dans le domaine dans lequel tu es bon. Et en fait, chacun comme ça peut se tirer vers le haut et c'est super intéressant, c'est sain. Ça paraît bateau, mais en fait, on entend beaucoup les gens dire ça, mais tu le réalises pas, j'ai l'impression, jusqu'à ce que, tu vois. Ouais, c'est ça exactement. Et après, tu te rends compte que tu avances sur certains points, que tu prends en confiance sur des trucs parce que tu vois quelqu'un d'autre beaucoup plus fort que toi le faire. Et donc, tu te lances. Tu sais aussi que c'est possible. C'est voilà. Et juste le fait de rêver et de te dire c'est possible, pourquoi pas moi, puisque lui a réussi, bah let's go. Vraiment, tout est. Vraiment, quand tu penses au point de départ, et peu importe, hein, t'as pas besoin d'avoir des millions sur ton compte ou d'avoir une Ferrari ou quoi, juste de regarder de là d'où tu viens et de voir où t'arrives là, avec plus ou moins d'aide ou selon la situation de chacun. Ça déjà c'est très intéressant. Et après bah à toi de l'amplifier, de l'amener beaucoup plus loin. Et toujours c'est toujours ce discours du le plus bel objectif il est inatteignable. C'est ce qui permet d'atteindre des sommets. Faut qu'on essaye des vêtements. Oui c'est parce que c'est notre personnel shoppeuse qui fait les achats pour nous. Ouais, parce qu'en fait, comme on travaille pas beaucoup en semaine. On a le temps d'acheter. C'est faux. On fait de vraiment 6h-21h tous les jours. Donc, le dernier truc qu'on a envie de se faire, c'est d'aller faire les magasins. Néanmoins, il faut bien s'habiller. Donc, nous avons une personne. Donc, il faut... voilà. Là, on a une personne de confiance qui sait faire et qui choisit les choses, les tailles. Et après, on essaye. On essaye tout et ce qui va pas, on redonne. Nickel. On va redonner ou pas. Il y a un truc, c'est qu'on n'a même pas montré les CEA, j'en ai rien montré. Bon bah c'est pas grave. Il y en a un là sur moi. il y a combien? Il y a 6-7 articles, un truc comme ça, c'est bien. Vous verrez dans les différentes vidéos qu'on sort. J'ai pas pu vous montrer l'essayage. Il était pris de court. mais je suis refait. Au niveau, comment on appelle ça? Bon, au niveau sportswear. Donc Maillon, notre styliste officiel. Vous allez être beau comme des cœurs. Beau comme des camions, je dirais. Et du coup, bah, il manque juste des shorts. Et des pantalons. Et on a fait une petite commande, on a fait une commande aussi de sport. Exactement, mais on taira la marque puisque je n'ai pas de sponsor. Pas pour l'instant. Alors, mais peut-être si vous voulez Vanquish, virement. J'ai dit la marque, nickel, c'est top. Ou Alphalette. Ou Gymshark. Voilà, pour pas citer qu'un seul. Allez. Yes. Buvez de l'eau surtout. On regarde, parce que là, dans une semaine exactement, on part déjà en vacances. Voilà, 100 mètres carrés, c'est petit. Donc déjà, effectivement, on part à 7. Et pas à 8. Le 7. Mais on part à 2. Pas à 7. Vous avez compris, c'est parfait. Donc, et après, on remonte à Carré pour tout éclater. Au festival des vieilles charrues, pour ceux qui connaissent. Maintenant, il faut choisir la suite des vacances. Après, il s'agirait quand même de travailler un petit peu le mois d'août, quoi. Et ensuite, on repart. Donc là, on va choisir la villa de septembre. Alors, Villa Camille. Destination, la Corse. C'est trop connecté. Donc, la Corse, effectivement. Donc. La Corse, c'est incroyable. Vraiment, c'est l'île de beauté et c'est pas pour rien qu'on dit ça. Oh putain. L'agent... Donc, Villa Camille. Donc, cette façon, c'est 100 mètres carrés. Plein pied pour 6 personnes. Voilà, parfait. Nickel pour 6 personnes. Donc, une petite piscine. De toute façon, ça va être la même chose. Les trois sont à peu près pareils à l'intérieur. Il y a tout, en fait. Donc, voilà. Il faudra juste faire un tirage au sort. Suite parentale. Pour savoir qui prend quoi. Une chambre normale. 160 cm le lit. Je m'en rends pas compte. C'est petit. C'est voilà. Petit. En vrai, c'est, les trois, c'est les mêmes. Maintenant, regardons les prix.
comment ça vous paraît? Je sais pas s'il le voit à la caméra. Bon, bref, ça c'est des tailles, ça. C'est bon, bah voilà. Lundi, on est quoi? Septembre, tout est libre. Soirée de merde, ça encore. Là, on dirige vers la merde, là. On va commencer par un dive. Petite touche de fraîcheur. Nappage chocolat. Faut dire midi. C'est fou quand même. C'est un beau bébé maintenant. Levé, tiens ta glace. Là, ça, va bien. Ça va te faire du bien une petite glace, Levé. Tiens. Du coup, vous allez la garder maintenant. Tiens, Levé. Lise. Ah oui. Non, tu t'en fous, moi. Hein, tu veux vraiment que moi. Merci. Ouais. Moi, je suis gentil. Et moi. Je sais pas pourquoi on aime trop rigoler sur McDo et... Ah, à chaque fois, ça nous inspire des blagues. En tout cas, ils ont bien réussi les glaces. Ils se sont concentrés. Ils ont mis la dose nécessaire de chocolat. Ils ont pas mis la sauce caramel à côté. Il y a eu concentration dans le... Commande 63. Oui. C'est ciao pour aujourd'hui, pour cette vidéo. On vous laisse là. La nuit tombe, dimanche soir, on attaque une nouvelle semaine. Et là, vendredi... Rappelez-vous, je vous ai dit, on décolle. Vous ne savez pas où on va. Si, on m'a dit. Ah bon? Non, je crois pas. Non, on m'a dit juste avant, on a dit on va à 7, par exemple. Allez. Là, ça fonctionne bien. Oui, c'est vrai. Donc, on décolle et puis il est temps de prendre un petit peu de vacances. Calm down, keep calm et on verra la suite. Là-bas, on se repose. Après, on remonte en Bretagne. Vieille charrue. Next. La suite au prochain épisode, l'équipe. Bisous, ciao! Ça rigole là-dedans. Vous foutez de ma gueule? Ah, là.